Défenseurs
même si vous avez dit que c'est une mission pour la période contre le Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé sur les derniers mois? Comment vous pouvez voir ça en dehors de juste de l'aspect tactique? Est-ce que c'est des choses qui ont perturbé, cette équipe, ou c'est vous comblez les assumer des choix qui n'ont pas été payés? Non, mais les choses obligées de faire évoluer cette équipe, s'adapter des fois. Des fois ça fonctionne, des fois non. Quand on est trop bon au Cameroun et tu marques beaucoup de buts et qu'on ne le voit pas parce qu'on est en difficulté, et ben, c'est payant. Chaque match a sa vérité, même si nous on avait. Bon, des fois j'étais sur un système où j'étais trop attaché à ce système. Je change du système, on dit pourquoi on change du système. Donc voilà, c'est aujourd'hui vous avez la possibilité de venir pour mettre en question ce jeu. On est éliminé. Donc vous avez assez de trois attributions, tout simplement. Moi, après ce match-là, je ne pensais pas que je pouvais vous faire un bilan précis. Charles Bossonnet qui l'a montré la distinction chez les autres. Merci, t'as pas eu bilan. C'est vrai que quoi, c'est Mohamed Paré chez Jonas dans la TV. Moi, je ne veux pas parler tactiquement parce que je suis un gars à match, on était meilleurs sur tous les plans. Emplacement tactiquement, possession de balle, touche, corner, PKV, comme vous voulez. Je sais, mon coach, est-ce que l'arbitre a joué son rôle aujourd'hui? Et deuxièmement, un mot pour le coup de la Jérémy. Merci beaucoup. On estime qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de sélectionneurs, ça c'est connu. Chacun ira de son idée, chacun ira de son choix. Après, il fait celui-là, pas celui-là. Je dis tel système, pas tel système. Ça c'est bien grand, c'est normal. On avait gagné, on a été qualifié, on n'aurait pas parlé de ça. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, on l'a fait avec le cœur. Je me demande qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus. On était 24h/24 depuis la CAN. On travaille avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de conscience au quotidien. Même si vous ne voyez pas parce que c'est des sélections, c'est de la FIFA. Lors de ces deux derniers mois, on a eu notre vie entre parenthèses. C'est un frein qui mérite. Il y a d'autres choses qu'une sortie comme celle-là. C'est moi qui suis leur représentant, déjà un staff évidemment compétent, très travailleur, très humble, qui travaille vraiment, mais tellement bien. Et on a tous mis, je vous ai dit, sur les derniers mois surtout, notre vie entre parenthèses, vraiment, sans l'abuser. Et pour ce succès, avant tout pour le pays, Chabula, c'est ça qui nous motive. C'est ça qui nous motive le plus. Plus qu'une déception personnelle de ne pas faire mondial en tant qu'entraîneur, c'est vraiment secondaire. Surtout la grosse, plus qu'une déception. Ce mauvais scénario, il faut s'en remettre, un truc comme ça. Être éliminé d'un mondial à 10 secondes de la fin, sur un banc dans une surface de réparation, c'est très, 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 très cruel. Surtout quand c'est ça le plus grand. On a eu l'impression de prendre ce match-là. On n'a pas eu le temps d'être en difficulté. On a pu, malgré le système, avoir des pistons très hauts, ça veut dire qu'on est facilement. Avoir des joueurs comme Mastaï, comme Ramiz, qui se projettent par se face, ensuite se fait des prêts d'entrée. Ça veut pas dire qu'on peut lui, c'est l'animation qui est à l'intérieur de ça. On peut jouer à 3-5-2, 3-4-3, très très défensif. Donc on peut en jouer un très très défensif.
secondes. Parce que là, aujourd'hui, ça a très longtemps, qu'on subit leur sort. Ça fait très longtemps qu'ils ne respectent pas, non pas notre fédération. Moi, je n'ai pas peur de dire maintenant qu'ils ne respectent pas nos pays. Ils viennent ici, ils font tout ça, ils ne trichent pas. Donc... Bon,
voir quand il s'agit de mettre en avant la qualité des joueurs ou leur performance, je le fais. Malheureusement, je sais pas si ça va me déplaire, mais c'est pas dans mes habitudes d'aller mettre en pointe du doigt comme c'est toi, mais voilà, elle n'a pas fait ça. Salam alaikum coach, je suis Louis Rodrigue Jardin. Coach, aujourd'hui on a eu deux grands gardiens, d'un côté Onana qui a fait un excellent match, et de l'autre côté Rice qui se rattrape après une sortie un peu hasardeuse. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui les gardiens ont démontré qu'ils ont leur poids dans un match comme celui-ci, et ne pensez-vous pas que c'est justement pas l'heure de tout changer dans cette belle équipe? C'est vrai que c'est... Il y a des joueurs qui sont en fin de carrière, mais il faut penser prioritairement à l'intérêt de la sélection et de ne pas tout changer après une sélection française. Pour ce qui est des gardiens, Raïs a un vrai arrêt à faire en deuxième temps. C'est ça, le match de haut niveau, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a pas eu grand chose à faire. Raïs a eu cet arrêt. Les deux arrêts qu'il a fait, la première tête, une, deux, trois, la deuxième, sur le tir. Sur la réaction. Donc, ce qu'il a eu à faire, il l'a très très bien fait. C'est vrai qu'il a son premier but contre, ça a l'air de ça. C'est surtout pour l'autre gardien qui a été sollicité, qui a su gérer ce match-là, qui a su faire comment, voilà, qui a su même abuser. Les arbitres, une fois de plus, ils attendent de son entier limite pour aller mettre un carton jaune, on la connaît ça là, on la connaît par cœur, pour dire oui, ouais, non, qu'ils sont sonnés mieux quand c'est lui. Quand j'avais dit ça la dernière fois, quand j'ai parlé de Rami, il n'a pas le droit à une sommation ou une touche. Les gars, pour détirer des 6 mètres, 56 mètres, pas une fois l'arbitre met la pression. Pas une fois. Ça compte ça. Ça casse le rythme, il sentait qu'il avait plus de chance, plein de joueurs sortis, des crampes, tout ça. Ça, c'est pour casser le rythme, c'est connu. Les arbitres le savent, tout le monde le sait. Et qu'à chaque fois qu'il y a un 6 mètres, ils tournaient le dos au 6 mètres pour dire je ne vois pas. Quand ils se retournent, c'est insupportable. Tout match. Mais qu'à chaque fois que tu réclames, au lieu d'aller s'occuper de l'arbitre, au lieu de s'occuper de nous, de regarder le but, il vient s'occuper de nous. En gros, pourquoi vous réclamez? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout souvent de petits détails, ce genre d'amis, ils savent faire du tort. D'une certaine manière, ils ont l'art et la manière pour ça. Pour ce qui est de l'équipe, effectivement, aujourd'hui, c'est vraiment un chapeau de cartes qui s'effondre. C'est on est abattu. On était ultra concentré sur ce mondial, on ne se voyait pas ne pas y aller. On a mis tous les ingrédients pour ça. Tous les ingrédients quasiment. Pas depuis le début du stage, je vous l'ai dit, ça fait 2 mois depuis l'African. Il a failli se relever et on s'est relevé. Quelle cruauté de finir comme ça, 10 secondes de la fin, on se rend comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est difficile pour moi de parler d'avenir et de parler de garder l'équipe. La sagesse, le fait que effectivement, tout le monde est en question dans cette race, ça plus problématique qu'autre chose. Parce que redémarrer et reconstruire une équipe, alors que les choses se jouent, pas grand chose, peut-être suicidaire. Et effectivement, il y a du bilan à faire, ça aussi, on ne peut pas passer à côté du bilan à faire et il sera fait. La déception, le football est cruel. À 10 secondes, on était au Qatar. Moi, je sais que dans mon commentaire, je me voyais déjà, je disais, on est au Qatar. Ça s'est joué sur une erreur de concentration. Des occasions, on a eu, on aurait pu marquer par 2 ou 3 fois. Ça s'est pas fait encore une fois. Moi, je suppose, on le vit tous, hein, tous comme ça, dans cette salle, je suppose, on parle de moi, on le vit tous de manière très difficile. Ça fait mal au cœur, ça fait mal parce que surtout de perdre de cette manière, alors qu'on était quasiment qualifiés. Moi, je vous pose la question, mais à quel moment aujourd'hui, vous ne pouvez pas répondre, je le sais, mais est-ce que vous allez donner un temps de réflexion concernant votre avenir en équipe nationale? Je sais que ça tient à cœur aux gens,
coach, je m'excuse si je vous interromps 30 secondes. Pourquoi je vous pose cette question? On a vu des grandes nations du football européen où les entraîneurs, je peux prendre un entraîneur par exemple, c'est l'entraîneur d'Allemagne qui au premier tour est éliminé, soit pour cela, qu'il est parti ou qu'il a tout remis en cause, il a continué sa mission avec une stabilité qui aura duré. Je peux citer d'autres exemples à travers le monde. C'est pour ça que je pose la question. À sa sélection, il y a environ 4 ans parce que je suis là, ça a été beaucoup de bonheur. Voilà. Arriver, et après le sentiment, arriver dans une sélection en grande difficulté et se lisser, faire tout ce qu'on a pu faire jusqu'à se lisser et se préparer dans le monde d'un mondial, disons, il y a un sentiment de, voilà, d'un travail qui a été plutôt bien fait. Il n'empêche qu'on a un objectif aussi, qui se qualifie au mondial. Donc ça, on ne peut pas faire, pas passer à côté de ça. Donc, effectivement, il y a des chances que je fasse plaisir à tout le monde, comme les journalistes, certains. Beaucoup de gens à la télé qui prêchent pour une certaine paroisse, qui travaillent pour certains lobbies, on dirait bon, tranquille, et il y a quelque chose souvent du toit, parce qu'il y a un fonctionnement de cette équipe nationale de cette fédération qui a été mis en difficulté les dernières années. Donc, évidemment, je serai en responsabilité. Algérie, mon pays, un droit que je n'ai pas plus qu'une, sous le coup de la tristesse, pas avoir plus de temps. Pour être sûr que cette nationale fonctionne toujours autant qu'il puisse progresser. On va passer par une période très très difficile, on va voir venir, les jours à venir. Je vais souvent cet enfant. Voilà. Il va falloir se relever. C'est l'histoire du sport, c'est l'histoire du football, et des nations, de l'Algérie est une grande nation. Et il y a encore de belles choses à faire pour l'avenir, avec ou sans moi. Ça, c'est juste simplement que voilà, je suis pas là pour approcher un trône, de plus bouger. Jamais je ferai cette fonction comme ça. Donc j'étais utile, j'étais présent. Le jour où je sens que je suis plus utile pour mon pays, je me retire de l'équipe. Donc on va réfléchir bien comme il faut dans les jours à venir. On fera en sorte que ce que c'était le plus important, c'est que l'équipe nationale, comme l'a dit notre ami, soit forte encore dans les années. Les étapes qui ont passé doivent nous renforcer. On ne part pas de très 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 loin. On était proche de qualifier un mondial. On a fait de belles choses dans ces dernières années. Voilà, il faut juste continuer à travailler, tu peux bosser, améliorer tout ce qui peut être amélioré dans le jeu, dans l'organisation. Nationale, cette fédération, tout ça, voilà, pour que le football reste en haut. Abdou Hassan, Tanat, Sky News Arabia. Coach, لقد جعلت هذه الجماهير فخورة جدا بالمنتخب الوطني. والجماهير هذه تريد أن تعرف مصير الماضي عن المنتخب الجزائري. يعني سؤال بطريقة أخرى، إنه الجماهير الجزائرية دائما تقول إنه هي مع الماضي في حالة الفوز وفي حالة الخسارة. ما هي الكلمة التي توجهها لهذه الجماهير؟ لا، واحد أنا في هذه المسؤولية كمدرب الوطني، وكان عندنا هدف معروف. بشرنا خير الشيء. لازم نكون مسؤولين. انا
national soit bien entouré, s'il faut réformer, on réformera, s'il faut mettre des éléments d'un entraîneur à ceux qui composent national et qu'il faut changer, on changera. Mais attention, attention aussi, ne croyez pas pour moi, mais attention justement, ça je rejoins la question de l'équipe, mon ami, attention à l'instabilité et l'idée de venir trop remettre trop en question. Ça peut être une erreur. Je ne peux pas pour moi, c'est pour ça. Bonsoir. Ça a fait ça dans l'interview. C'était une triste nuit pour les Algériens, déception. Première défaite à Djeddah en 2020 pour l'équipe d'Algérie. A passé depuis son arrivée en sélection. Il est passé par plusieurs étapes. Il y a eu un point où on a vu très nette amélioration en fonction de sa rentrée, même à ce poste-là. Et le fruit justement de résultat d'une progression. C'est un joueur d'avenir, effectivement. Il joue à plusieurs postes. Dans une défense à trois, comme aujourd'hui en piston, passe, défense centrale côté gauche, que j'ai envie de dans une défense à quatre. C'est un joueur qui a l'amour du pays, qui a compris que voilà, que ce qui est le bon niveau. Et Thomas Suto de Canal Plus. Est-ce que vous voyez cette nomination comme une injustice, dans le sens où c'était peut-être la plus grande génération du football africain? Le football algérien, ça ne vient pas récompenser le travail d'une équipe de l'histoire. Je vais en faire revenir. Donc, effectivement, c'était une belle génération aussi, qui a beaucoup donné, qui est restée dans une certaine constance, qui a été performant pendant pas mal de temps et qui avait vraiment récupéré au mondial. Et c'est là ma plus grosse tristesse, parce que effectivement on joue pour tous, son propre journée, pour le peuple, pour notre pays, pour notre pays dans les plus gros événements sportifs, la Coupe du Monde matin. Mais c'est les acteurs, c'est les joueurs, les acteurs principaux, c'est eux qui déploient de l'énergie, qui sont au service de leur pays. Donc, d'abord, ma tristesse va vers eux, parce que pour certains, ils ne prennent pas leur place, mais pour certains, peut-être que c'est terminé le cadre national, mais la possibilité de jouer à mondial, c'est dommage. Pour d'autres, on ne sait pas quand les années vont se passer. On ne sait pas est-ce qu'on aura. Voilà, je souhaite de tout cœur que vous connaissez un peu l'insert, un des zéros qui. Michel Moudaoui, celui qui n'est pas là, et avec Thomas, jusqu'à tout cœur, qui puisse prendre vraiment la relève et pour devenir encore plus important et qui puisse aller en Coupe du Monde. Ça, c'est mon rôle le plus cher. Ils ont les qualités pour ça. Voilà, il faut un vrai concours de circonstances entre les joueurs et une organisation autour d'eux, technique, administrative, tout ça, pour que la chose fonctionne. Donc, c'est ce que. Elle est là-bas. Ma grosse peine, c'est ça, c'est surtout pour ces joueurs. De passer comme ça, si très bon, une Coupe du Monde, c'est vraiment cruel, il n'y a pas d'autre mot. Et on a l'impression, on a le sentiment que, je le répète, c'est pas pour manquer d'être au Cameroun. Ils iront au mondial, on les suivra, mais on n'a pas l'impression que c'est. Et c'est l'équipe qui a mérité plus, qui s'est qualifiée. À dernier. Sur le coach, la page pour les tous. Vraiment, c'est. Je ne peux pas avoir assez pour les. Elle va venir avec le neuf, tiens. C'est pas grave, mais d'un match. On va passer. J'ai quitté même avec Boas. Deux secondes d'avant, on était en train de quitter, mais d'un match. Ça reste difficile. Je ne peux pas avoir. Juste, tu veux bien savoir. Quel est le flashback qui a passé devant vous? Vous avez presque abattu sur terre. Quel est le feedback ou le flashback qui a passé devant vous? Des choses très intéressantes. C'est
pas parce qu'on a battu, c'est abattu, c'est chaleur. Tout de suite. Tout de suite, ces gens qui étaient là depuis ce matin, qui attendaient, et la pluie, et tout ça, première des choses, c'est ça. Ce chapitre de Malak, le chapitre de Malak, qui est devant sa télé, Anas, Gisèle, que le roi, avec le bruit, la ronde Fabio, avec le Seigneur, et c'est ça qui me tue le plus. Après, mention spéciale, en particulier, d'une fois, 4 ans, je ne sais plus, de mes enfants, qui regardent, sont des vrais amoureux de l'équipe nationale. Donc, ils font partie, des clichés des aérés. Je sais qu'ils sont écroulés. Donc, c'est ça qui nous fait mal. Tous ces enfants, hein, toutes ces familles, tous ces gens qui ont été célébrés 10 secondes plus tard, qui n'ont pas compris ce qui m'est arrivé. Le ciel est tombé sur la tête. Ah, c'est du football, c'est du sport, mais c'est tout produit en même temps. Voilà.